communiqué de la base de l'île de Metz. Consécutivement à l'engagement pris en date du 28 septembre 2024 à l'hôtel Mouchimi à Matongé par les structures de base formelles et informelles, d'évaluer la trêve de un mois décrétée depuis la rencontre entre le secrétaire général sortant, l'honorable Augustin Kabuya, et le secrétaire général AI, Deo Bizi Boubalola, devant maman Marthe Kassalou, notre mère. La base a procédé à un examen profond de la situation de blocage constatée depuis la session de Sainte-Anne de la Convention démocratique du parti du 11 août 2024, à l'issue de laquelle les résolutions ont été annoncées, notamment la déchéance de M. Augustin Kabuya et la désignation de M. Deo Bizi Boubalola comme secrétaire général AI. Ceci étant, la base a décidé ce qui suit. 1. De se prendre en charge. En date du 12 octobre 2024, à la permanence de l'UDPS, pour amorcer la mise en œuvre des résolutions de la CDP du 11 août 2024. Deux, d'empêcher l'honorable Augustin Kabuya d'engager le parti en demandant à toutes les combattantes et tous les combattants de ne plus obéir à ses instructions et de ne plus accepter qu'il prenne parole comme secrétaire général. À cet effet, la base rappelle que le seul droit qu'on lui reconnaît est sa qualité de député national et son champ d'action est l'hémicycle donc du Palais du Peuple. Voilà. Trois, d'inviter toutes les fédérations de l'UDPS qui s'équipent. Oui. Donc, celles de l'intérieur et de l'extérieur, bien sûr, de rejoindre notre combat en rejetant toutes les manœuvres dilatoires du secrétaire général sortant et en désobéissant à ses ordres. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, tellement bon, la base gagne toujours.